offre une bouteille d'eau en plus. D'accord, ouais. Je préfère payer une bouteille d'eau plutôt qu'avoir un malaise sur la tête. Le raisonnement est assez logique. On est où là? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, nous sommes à Tézarine. Bon, la journée s'est bien passée. Bah pour l'instant, la matinée s'est bien passée, oui, tout à fait. Moi, je suis en train de reprendre les automatismes. J'ai pu essayer une moto formidable, une 450 Yamaha Euromotrice. C'est d'avoir touché, avoir dormi dessus, retoucher un petit peu, et puis là on est en autre rythme, on est tranquille. Ouais. Si on doit s'arrêter, on s'arrête, si on doit accélérer, on s'arrête. Ouais. On est largement en timing, absolument aucun problème. Non, à part ça, pour moi qui ai déjà fait ce raid là l'an dernier, bon, je suis content de le faire, parce que je suis content d'abord parce que j'ai progressé, mais le parcours bien sûr est un petit peu différent. On retrouve par contre au niveau des étapes des gens qu'on a vus, donc c'était sympa. L'ambiance est bonne, les copains sont là, Naïma est là aussi, donc on est très content de l'avoir avec nous. Et puis il fait beau, les motos marchent bien, les buggies, tout le monde a l'air content de ce que l'on fait, donc c'est couleur locale, non, c'est bien. Peut-être, voilà. Normalement, il s'est arrêté pour mettre sa télécommande, là. Hein, il faisait mal, et juste après, une vingtaine de minutes après. On est arrivé à un village avec une grosse antenne, et puis pour faire la jonction à l'autre piste, on a fait un petit morceau d'hors-piste, et je suis arrivé face à une marche, puis je ne m'attendais pas, surprise. Donc j'ai tout pilé, et je ne savais pas qu'il était tout collé prêt. Derrière. J'étais tout prêt. Donc il a freiné un peu comme ça. J'ai freiné en vrac, plus que j'ai pu, et
Et puis, ma moto a glissé de l'avant, parce que j'ai freiné de l'avant et j'aurais pas dû, mais avec le trou, ça m'a foutu un petit peu les roues. Et là, je suis arrivé, bon, j'ai évité l'arrière de sa moto, mais je suis arrivé dans sa moto. On l'a cueilli ce matin avec Alain. La vache. C'est vrai? Ah bah soit ça ressemble un petit peu à ce que j'avais vu en Tunis. Ça a été dur.